Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit craquage action. Oui, j'ai été à Action. Donc, j'ai fait un petit craquage. Il y a un peu de tout. Après, il y a surtout des loisirs créatifs, mais il y a un peu de tout. J'ai trouvé cette bougie qui est magnifique, j'adore. Qui est aux fruits rouges, c'est à Wick. Et elles sont super beaux. Donc, elle était en promo, je crois. C'était 1,29€, un truc comme ça. Elles sont super bon. Et bien sûr, j'ai pris ma bougie habituelle. Donc, c'est pomme cannelle. Voilà, j'adore. Ça me rappelle Noël. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris du Ceiling Bang en sheet. Qui était à 1,55€. Donc, je sais pas si. Il me semble que c'est un peu plus cher à Leclerc, mais bon. Voilà, donc ça j'en ai pris. Il y avait aussi pour la cuisine. Et il y en avait sans le pchit au bout. Voilà. Et apparemment, il était en promo. Ensuite, j'ai pris ça pour Théo, qui me l'a demandé, puisqu'il est avec moi. Donc c'est une armoire. J'adore. Voilà, qui est quand même assez grande. Alors, il n'y a pas marqué la taille. Si, ça fait 13 sur 10 sur 32 cm. Donc, 32 sur 10 sur 13. Voilà. Et ça, c'était, il m'a dit 3 euros et quelques. Moi, je n'ai pas vérifié, c'est lui qui me l'a dit. Donc, ensuite, j'ai pris du coca pour mon atelier, puisqu'il n'y en a plus. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris des grandes enveloppes. Ça, c'est pour faire des envois. Donc, j'espère qu'elles seront assez grandes. Donc, elles font 230 sur 340. Voilà. Elles sont avec les bulles d'air, pardon, à l'intérieur. Voilà. Hop, ça, je vais pousser. J'ai pris aussi celles-là qui sont plus grandes mais qui n'ont pas les bulles à l'intérieur. Elles sont à souffler, donc elles s'ouvrent de 3,8 cm sur les côtés. Donc c'est pour ça que je les ai prises. Et pour les endroits aussi. Et elles font 262 sur 371. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai pris c'est des papiers pailletés. Voilà. Et en fait, je l'ai pris pour cela. Voilà, les bons de naissance que je fais, je me dis que je peux faire des trucs sympas avec. Je sais pas après hein, si je m'en servirai, toujours pareil. Et j'ai pris le effet miroir. Voilà, vous les connaissez, hein, je vais pas tout vous les montrer. Il y a plusieurs couleurs dedans. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, et en fait, c'était pour ça que j'étais allée. Des embellissements en essence parce que j'en ai pas assez parce que je les adore et voilà donc j'en ai pris 3 voilà parce que c'est pas grave si j'en ai trop pour l'album naissance que je fais je me dis pour les prochains au moins je les aurai et j'ai pris pour garçon encore parce que j'en avais 2 mais bon je me dis un de plus c'est pas mal. J'ai repris les nœuds avec les rubans pour l'album naissance aussi. Donc ça, là, j'ai pris des mouchoirs. Voilà. Des paquets. Donc il y en a 10. Par contre, le prix, je ne sais pas. C'est Théo qui les a pris. Mais comme on est tous enrhumés en ce moment, on fait beaucoup de conso de mouchoirs. Ensuite, j'ai pris des Kit Kat. Des Twix que vous voyez où il a entamé parce que c'est une grosse bouffe. Voilà, il n'a pas pu attendre. Et alors, ensuite, j'ai trouvé des blocs Disney. Alors, pour les blocs Disney, j'ai pas tout trouvé. J'ai trouvé celui-là. Donc, je vous les ai montrés l'autre fois déjà. Voilà. Celui-là, j'adore.
celui-là. Celui-là. C'est Cendrillon. La Belle au bois dormant. La Belle. Et Blanche-Neige. Donc, celui-là, j'en ai pris 4. Il y en avait 4. Donc, il y en a un pour moi. Il y en a un pour une amie. Et donc, il m'en reste 2. Voilà. Donc, si, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui les cherchent et qui ne les trouvent pas, si ces 2 vous intéressent, ben, je peux vous les revendre si vous voulez. Bon, vous aurez les frais de port à payer, mais bon, si vous voulez, voilà. Si ça vous arrange, si vous ne les trouvez pas et si vous n'avez pas d'action, ceux-là, ils sont à votre disposition. Alors ensuite, j'ai trouvé celui-là, que j'adore aussi. Et il est embrossé, là, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc, c'est celui-là. J'adore. Ils sont trop beaux, ça. Voilà. Blanche-Neige. Voilà. Voilà. Et celui-là. Donc, ben, celui-là, il y en a 2, mais un pour moi, un pour mon ami. Hein, donc, ça, je ne peux pas vous les vendre. Alors, ensuite, j'ai trouvé le Winnie, qui est doré. Voilà. Donc, celui-là. Celui-là. Après, je passe vite, hein, parce que vous les connaissez. Là. Celui-là, celui-là et celui-là. Donc celui-là, il y en a un pour moi et donc un disponible si vous le voulez. Voilà. Et pour celui-là, c'est la Reine des Neiges en bleu brillant. Donc celui-là. Avec les flocons de neige, celui-là, 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 et celui-là qui est super. Donc là, pareil, un pour moi, un pour mon ami. Et donc, du coup, j'en ai pris 2, si ça vous intéresse, pour vous. Voilà. Je les mets de côté parce que après je vais les mélanger. Ensuite, j'ai pris des stickers comme ça, brillants. Donc, c'est un miroir. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. Dans les roses. Là, je me suis dit, peut-être pour l'album naissance, mais je ne suis pas sûre de les mettre. On verra. Vous me connaissez, maintenant, je vois sur le moment. Je fais un peu du bidouillage sur le moment. Donc, après, j'ai pris celui-là en rose aussi. Ben, j'ai pris celui-là parce que j'adore pour la couronne, pour la plume. Bon, voilà quoi. Le petit cœur, là, et le petit buste. Ensuite, j'ai pris celui-là. Voilà, dans les dorés. Plutôt masculin. Et vous avez vu qu'il y a une licorne. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les licornes. Et là, il y a une licorne. Et après, j'ai pris celui-là. Voilà. Pour ça, je l'ai pris. Voilà. Ensuite, j'ai repris des pastilles brillantes, là, pailletées. Alors, je les ai pris pour le rose, le violet. Toujours pareil pour mon album photo. Après, j'ai pris celui-là.
Et j'ai pris celui-là. Voilà. Voilà, il n'y avait pas que du rose ou que du violet. Donc, j'étais obligée de prendre en plusieurs pour avoir le rose et violet. Notamment les petits clous roses, là, ils sont roses. Donc, voilà. Et j'ai pris aussi ces stickers miroirs. Et celui-là. Voilà. Donc, ça. Hop. Ensuite, j'ai pris de la dentelle rose pour la bonne essence parce qu'en fait celle-là elle est fine et moi je n'avais jamais trouvé, j'ai la large et du coup pour mon album c'est vrai que je préférais de la fine, il y a des endroits du coup l'autre est trop grosse donc j'en ai pris une comme ça et j'en aurais bien pris deux ou trois mais il n'y en avait pas, il n'y en avait qu'une, j'ai déjà eu beaucoup de chance de la trouver. Après j'ai pris celle-là aussi rose. Pareil, c'est pour l'album Naissance. Je pense que je la mettrai par là. Et j'ai pris celle-là parce que j'adore là le liseré là, et le truc qu'il y a dessus. Voilà. En rose et c'est pour l'album. Ensuite, ça vous l'avez vu. J'ai trouvé, bah alors il y avait un paquet, c'est des bouts de tissu en sky. Donc. Je vais vous montrer vite fait. Mais... Donc nous avons en marron, c'est du tissu sky, en beige, en doré, il y en a deux. Il est trop beau celui-là. Je sais pas si je m'en servirai. Mais... nous avons en pailleté et en orange pailleté. Voilà. Donc ça, hop, je l'arrangerai après. J'en ai pris deux comme ça. Parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il n'y a que 1,50 m. Donc, ça va très vite. Surtout sur un gros album comme ça. Du coup, j'en ai pris deux comme ça. Après, j'ai pris deux bougies. Parce que j'ai des commandes de bougies. Donc, du coup, il me fallait les bougies. Les bougies personnalisées. Ça, je ne sais plus le prix. Mais c'est moins de 3 euros. Non, ah oui, j'ai pris deux bougies comme ça. Pareil pour l'album photo, parce que les boutons que j'avais achetés dans les roses, ils sont trop gros, ça va pas. Il n'y en a pas beaucoup de petits, du coup, j'ai trouvé ces tout petits boutons. Donc, il y a du rose, il y a du violet. Alors, du coup, j'ai pris ça pour l'album Naissance. Ensuite, alors. On m'a demandé le tuto d'une boîte en cœur bijoux que j'avais fait l'année dernière, je crois. Et malheureusement, je trouve plus la boîte en forme de cœur. Donc, du coup, j'ai pris celle-là, en fait. Voilà, c'est une boîte ronde. C'est une boîte à thé, mais ça peut faire office de boîte à bijoux. De toute façon, c'est juste lui montrer comment on fait, parce qu'après, bon, la forme, plus ou moins, c'est pas important, mais j'ai pas trouvé de cœur, donc il n'y en a pas, il n'y a que ça. Et le couvercle, il se met comme ça. Donc, bien sûr, on va la customiser, tout ça. Donc, ça, c'est pour un futur tuto. Et ça, je crois que c'était 2 euros ou 3, je sais plus. Ensuite. J'ai pris le manger pour mon lapin à 2 euros. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris une pâte à modeler chez les enfants là. Parce que je voulais essayer de faire les camées avec la perforatrice embossage que j'ai là de camée. Donc du coup je voulais essayer avec ça. Je ne sais pas si ça va marcher. On verra bien. Et je voulais le mettre dans l'album photo. Et donc. J'ai trouvé au rayon enfant ces stickers là. Donc là c'est Cendrillon. Voilà. Et là c'est la Reine des Neiges. Donc ça je les ai pris par rapport au papier. Voilà. Bon c'était au rayon enfant. J'ai pas trouvé les embellissements Disney. Voilà. Pour info, vous avez les classeurs à embossage sur Lunagay. Voilà. Il en restait qu'un, mais comme Babé me les a gentiment pris l'autre fois, du coup, moi je ne l'ai pas pris.
Vous aviez celui juste avec les trombones, celui de bureau, mais il n'en restait qu'un. Donc voilà. Et je me suis pris, parce que c'est le bazar, comme vous voyez, quand je fais des tutos pour l'album, il y en a partout et tout. Donc j'ai repris trois boîtes comme ça, habituelles que je prends. Donc elles font 30 litres et c'est 9,90 € les trois. Voilà. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les. Ça, là, le couvercle qui est attaché et qui se clippe bien. Donc voilà. Donc ben, je crois que c'est tout. Si, il y a mon fils, il a pris un chargeur pour l'iPhone. Voilà, mais il a déjà rangé des bricoles. Donc en fait, je sais pas ce que j'avais pris d'autre. Si j'avais pris un produit pour les WC, mais bon, ça, c'est pas important. Ceci, il est en promo, vous savez, c'est les désodorisants, là, les Bref 4 ou je sais pas quoi, les 4 boules. Donc c'est en promo. Voilà. Donc, juste par rapport au bloc Disney, donc si ça vous intéresse, je cherche le prix. Le prix. Ils sont où les blocs Disney? Autocollant miroir. Je voulais vous trouver le prix. C'est un peu plus cher que les autres. Je sais que c'est 1 €, mais après. Non, ils y sont pas là. Bon. Après, il faut peut-être que je change, que je mette des lunettes parce qu'au bout d'un moment. Non, je les vois pas. La boîte, les trois boîtes, c'est 9,99 €. Voilà. Alors, mais il me manque un bout. Je ne l'ai pas acheté à celui-là. Je sais pas. Ah non, mais il m'a compté 9 bougies. 9 bougies, il m'a compté. Donc voilà, alors c'est 99 centimes le bloc. Le bloc 15-15. Donc il y en a deux comme ça, Reine des Neiges disponibles. Un Winnie. Et deux comme ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc, c'est pas pour faire des sous dessus. Hein. Je vous le vends à 99 centimes. Le prix, je l'ai acheté. Le seul truc, c'est que voilà, vous aurez les frais de port dessus en plus que si vous l'aviez acheté vous. Voilà. Donc, ben, sur ce, j'espère que ce petit craquage vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.